Eh oh, les lutins! Qu'est-ce que vous regardez comme ça? C'est le village des Farfadets. Et il se trouve à 1315 mètres d'ici. C'est pas tout près, dites-moi. Et là-bas, c'est le village des trolls. Ah, je comprends. Vous voulez savoir lequel de ces deux villages est le plus loin? Vous allez mesurer la longueur de ce sentier. Ça va vous prendre des heures avec votre règle d'un mètre. Oh là là! Son pas est beaucoup plus long que votre règle. Pour mesurer de très grandes longueurs, on a besoin d'unités de mesure plus grandes que le mètre. Il en existe plusieurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Le pas du géant est 10 fois plus grand que votre règle. Il mesure 10 mètres, c'est-à-dire un décamètre. On a le mètre, M, le décamètre, D-A-M, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il a fait 10 pas. 10 fois 10 mètres, ça fait 100 mètres. On dit un hectomètre, H-M. Et quand il aura fait 100 pas, on aura 100 fois 10 mètres, égale 1000 mètres, soit 1 kilomètre. Le géant a fait 154 pas. Le sentier mesure donc 154 décamètres. Alors, quel sentier est le plus long? Tu as raison, Martin. Pour comparer ces deux longueurs, il faut les convertir dans la même unité de mesure. Pour le village des Farfadets, 1315 mètres. On place le 5 dans la colonne des mètres. Le 1 dans la colonne des décamètres. Le 3 dans la colonne des hectomètres et le 1 dans celle des kilomètres. Pour le village des trolls, 154 décamètres. On l'écrit en partant de la colonne des décamètres. Un décamètre, c'est 10 mètres. Donc, 154 fois 10 égale 1540 mètres. Alors, quel sentier est le plus long? Sans aucun doute! Et combien mesure-t-il en kilomètres? Pour lire la mesure en kilomètres, tu lis le 1 des kilomètres, puis les mètres. 1 kilomètre, 315 mètres. Et 1 kilomètre, 540 mètres. Donc, quel sentier est le plus long? Oui, Joséphine, tu arrives à la même conclusion que Martin. Bravo, les lutins! Vous êtes drôlement calés sur les grandes longueurs, malgré votre petite taille.